Savez-vous ce qu'ont en commun Guylaine Tanguay et Lady Gaga? Ce sont toutes les deux des chanteuses, mais elles sont également toutes les deux atteintes de fibromyalgie. La fibromyalgie, ça implique plusieurs symptômes, mais le principal, c'est la douleur. Les personnes atteintes de fibromyalgie vont également ressentir de la fatigue et certaines d'entre elles vont avoir des difficultés cognitives comme des enjeux au niveau de la mémoire et de l'orientation. Le trois quarts des personnes vont également avoir des troubles de l'humeur comme la dépression ou l'anxiété. Vivre avec tous ces symptômes-là, ça affecte non seulement la capacité à travailler, mais aussi la capacité à réaliser des activités de loisirs qui nous sont chères et la capacité à se reposer. C'est ce qui m'a amené à me demander qu'est-ce qui fait en sorte que certaines personnes réussissent à s'adapter à la fibromyalgie alors que c'est plus difficile pour d'autres de maintenir une vie satisfaisante. Pour répondre à ma question de recherche, j'ai décidé de réaliser une revue systématique. Ça, c'est une méthode de recherche qui permet non seulement d'identifier, mais également d'évaluer et de regrouper des connaissances sur un sujet. De nos jours, on retrouve des milliers d'informations issues de partout à travers le monde en seulement quelques clics. C'est pourquoi, avec la bibliothécaire, j'ai développé une stratégie de recherche rigoureuse afin de lancer une recherche dans les bases de données qui m'a permis de regrouper 555 articles portant sur la fibromyalgie et les occupations. Évidemment, j'ai dû classer toutes les informations en évaluant les articles par leur titre, leur résumé et l'article complet pour finalement identifier que 12 articles répondaient à ma question de recherche. Finalement, qu'est-ce qui fait vraiment en sorte qu'une personne va s'adapter mieux qu'une autre à la fibromyalgie? Eh bien, il y a 3 aspects majeurs qui sont ressortis dans ma recherche. Tout d'abord, l'environnement est vraiment important dans le processus d'adaptation. Il est important de se sentir soutenu par les personnes qui sont le plus proches de nous, comme nos amis et notre famille. Ensuite, il est important de redéfinir son identité parce qu'après la survenue de la fibromyalgie, il y a plusieurs activités qui nous définissent qu'on a perdu, comme par exemple le travail, mais même les activités qu'on fait à l'intérieur du domicile et nos loisirs peuvent être affectés. Enfin, ce qui est vraiment important, c'est le maintien d'une routine de vie et l'application de différentes stratégies au quotidien, comme des stratégies de gestion du temps, des stratégies de gestion de l'énergie, comme l'application de micro-pauses, et des stratégies de gestion de la douleur, comme mettre de la glace ou de la chaleur. En conclusion, mon étude a permis de mieux comprendre pourquoi certaines personnes s'adaptent plus facilement à la fibromyalgie que d'autres. Il est important de retenir que le soutien des proches, le développement d'une identité et l'application de différentes stratégies sont tous des aspects favorisant le processus d'adaptation. En considérant tous ces aspects-là, ça permet d'accompagner nos clients dans le développement d'une vie plus épanouie et riche de sens, qu'ils veulent devenir une vedette internationale de la chanson comme Lady Gaga ou une vedette de leur karaoké local.